on va faire une campagne de vaccination contre la méningite, méningocoque A, parce qu'effectivement, nous avons trouvé que la dernière campagne a eu lieu en 1992 et l'immunité dure 10 ans. Vous comprenez que la population burundaise n'est pas bien protégée et cela a été corroboré par les résultats des diagnostics qu'on fait après les ponctions lombaires. On a vu qu'il y a des enfants qui développent des méningites à méningocoque A et on s'est dit qu'il vaudrait mieux protéger la population. Alors cette population, c'est une tranche d'âge d'une année à 29 ans et la campagne va commencer le 3 décembre jusqu'au 14. Effectivement, la campagne de vaccination sera menée conjointement avec l'administration, mais aussi on va faire appel, en plus des prestataires qui travaillent dans le système de santé, on aura besoin d'autres, puisque c'est une grande, je dirais, cohorte de population. Ce n'est pas un emploi, ça sera une semaine, 10 jours. C'est tellement qu'au niveau des districts, ils vont faire appel à ceux qui ont fait le métier pour que et ils puissent s'adjoindre à l'équipe des centres de santé et des hôpitaux de district.